Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui sont donc des podcasts lecture. Si vous me suivez depuis un moment et cette chaîne a un peu plus de 5 ans, pas tout à fait 5 ans et demi, vous devez savoir que euh, j'ai proposé, enfin, sur cette chaîne, vous pouvez trouver des, des centaines de vidéos différentes. Euh, j'ai proposé euh, des podcasts, podcasts tricot, euh, dans lesquels je parlais parfois de couture, dans lesquels par la suite je parlais même un peu de lecture. Je vous ai proposé des tutos tricot, des tutos bijoux. Je vous ai proposé des, euh, des podcast podcasts minutes dans lesquels je parlais de un tricot, un projet couture, un livre. Je vous ai proposé des vlogs, des reconfis vlogs pendant le deuxième confinement euh, où j'ai été beaucoup en télétravail et, et toute seule à la maison. Donc, je vous ai proposé, euh, euh, voilà, ce, ce format-là. Puis après les reconfis vlogs, je vous ai proposé des vlogs tricot et lecture avant de couper les vlogs tricot et lecture en deux pour vous proposer Principalement des vlogs lecture puisque les vlogs tricots je les ai très vite arrêtés et puis je continuais un petit peu les podcasts tricot euh, etc les vlogs lecture oui tout à, totalement bon voilà il y a eu beaucoup beaucoup de choses euh, sur cette chaîne et pourquoi il y a eu beaucoup de choses et eh bien parce que à chaque fois j'ai évolué mes envies euh, évoluaient mes goûts évoluaient euh, mes envies de partage évoluaient et euh, voilà comment on est arrivé jusque là à vous proposer principalement des vlogs lecture qui ne me conviennent plus <laughs> pourquoi du coup des podcasts alors dans les derniers vlog lecture euh, je trouve que je vous proposais pas des vrais vlog lecture pour moi un vlog c'est euh, un, une vidéo dans laquelle vous, vous allez avoir plein 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 de petits bouts des petits moments euh, où je euh, où je vais vous parler d'un livre sur le moment justement enfin quelque chose de, de, de très naturel de pas préparé enfin non pas que mes vidéos ne sont pas naturelles mais en tout cas quelque chose vraiment sur, sur le moment en fait euh, et puis euh, non dans ce Ma définition du vlog, je suis censée vous emmener avec avec moi tout au long de la semaine euh, euh, ou, ou pas parce que je n'ai pas forcément un rythme, je sors pas une vidéo euh, par semaine euh, de façon euh, très marquée avec un rendez-vous un certain jour. Mais voilà, je, pour moi un vrai vlog, enfin un vlog comme moi, je enfin ma définition du vlog en fait, ce sont des petits bouts de vidéos et euh, et avec le côté euh, pas préparé, avec le côté on se pose pas, etc. Je vous propose <laughs> des grands bouts de vidéos et euh, où je me pose dans un fauteuil, sur un, une chaise, etc. Euh, et je vous parle pendant longtemps euh, de livres que j'ai pu lire il y a deux, trois, quatre jours. Et, euh, et je vous parle de réceptions mm, livresques qui dataient un petit peu, etc. Je, je vais essayer de couper ça avec des petits, des petits passages de, dans le jardin, etc. J'ai pas tout le temps des rencontres littéraires, j'en ai eu pas mal. Derniers temps, donc quand c'est le cas, bah, je vous le montre, mais je ne je parle rarement, enfin je me filme rarement en train de parler lors de ces moments-là, donc ça reste des bouts de vidéos ailleurs avec de la musique, voilà. Donc en fait, euh, par rapport à, à ma propre définition du de vlog, dire que je faisais des vlogs lecture ces derniers temps, euh, ça, ne, ça ne me va pas en fait, ça, ça, ça ne me plaît pas, enfin parce que c'est pas vrai. En même temps, je vais euh, vous, vous proposer des podcasts lecture et une définition de podcast. C'est pas vraiment euh, ce, que, euh, ce que vous allez retrouver ici en fait, si euh, vous ne tricotez pas du tout, si vous n'avez jamais suivi mes podcasts tricot, le terme podcast peut vous surprendre. donc, en fait, j'abandonne le, le terme de vlog lecture pour un terme de podcast lecture, qui n'a pas forcément plus de sens, mais par rapport à ma propre définition et par rapport à ce que j'aimerais vous proposer. Euh, le podcast tombe très bien dans les euh, podcasts tricot que je pouvais faire. je parlais de. Euh, eh bien des tricots que j'avais pu terminer, des tricots en cours, des projets, enfin du prochain projet, euh, de des laines que j'avais reçues, etc. C'est exactement ce que je vais vous proposer et on rejoint totalement le vlog précédent où j'ai plus envie de, de catégories donc avec mes réceptions depuis la dernière vidéo, depuis le dernier épisode de podcast, euh, les livres que j'ai lus depuis le dernier épisode de podcast, mes livres en cours qui normalement dans l'épisode suivant seront des livres lus et puis pourquoi pas si euh, je sais pas si je ferais ça tout le temps mais en tout cas les prochains livres que, que j'ai prévu euh, de lire alors euh, à, enfin même si j'ai un planning lecture euh, bon, les, les prochains livres seront peut-être différents d'une fois sur l'autre c'est le jeu et c'est justement je trouve que c'est assez rigolo voilà donc euh, j'aimerais vous proposer quelque chose comme ça par partie que j'enregistrerai en, en une fois voilà, et euh, du coup ça, ça correspond mais totalement, totalement à ma nouvelle vie, ma nouvelle vie qui est, euh, eh bien, énormément moins de télétravail que quand j'étais, euh, quand j'étais, enfin euh, quand il y avait des, des soucis euh, liés au Covid. Quand je suis en télétravail, je gagne 2h30 par jour que je ne passe pas sur la route et donc dans ces 2h30, j'arrive à piocher un petit moment pour enregistrer une vidéo. Donc euh, étant donné que, que je ne suis quasiment plus en télétravail, je suis encore mais un tout petit peu, euh, le fait d'enregistrer en une fois me, me conviendra largement. Voilà. Parce que moi quand je, je travaille sur place, c'est même pas la peine de penser à enregistrer une vidéo, je, je pars de la maison à 6h45, je reviens à 18h30, 18h30, voilà, j'ai j'ai trois enfants. Donc euh, on rentre dans un tunnel et puis euh, bah une fois que je sors du tunnel, j'ai juste envie de me poser deux secondes et de lire et tricoter pour euh, me poser dans ma journée et pouvoir réenchaîner la journée d'après. Donc euh, donc en fait, il y a pas y a et quand je, je travaille sur place, il n'y a aucun moment où je peux enregistrer dans la journée, à moins de rogner sur mon temps de détente. Et en fait, j'en ai trop besoin. <laughs> donc euh, donc le fait d'enregistrer en une fois comme ça, personnellement, ça me convient beaucoup mieux. En tout cas, moi, je suis très motivée par, euh, par ce nouveau format qui ne l'est pas totalement, mais un petit peu quand même. Donc du coup, on remet les compteurs à zéro. Et vous êtes ici dans l'épisode 1 de Podcast Lecture. Donc ça, c'est juste dommage parce que à recommencer à chaque fois à zéro, on oublie euh, les centaines de vidéos qui sont sur ma chaîne, mais bon, tant pis. Je suis motivée et je suis contente de retrouver justement cette motivation, cette, cette envie de, de partager, parce que, euh, voilà, il y avait ce, ce truc où j'étais pas très à l'aise, euh, il y avait quelque chose qui me gênait, je pense avoir mis le doigt dessus, je pense du coup modifier ce qui me gênait, et donc je retrouve euh, euh, une, une envie de partager euh, et... et sans, sans, avoir de rendez-vous régulier comme ce que je pouvais faire pour mes vlogs. Alors, c'est vrai qu'à l'époque des podcasts tricots, euh, je, je, vous donnais un rendez-vous chaque semaine à une certaine heure, etc. Là, euh, je, j'ai pas envie de me fixer euh, cette contrainte parce que, en fait, c'est un, c'est un format que je peux potentiellement enregistrer deux fois dans la semaine ou, euh, alors plus, je sais pas, mais euh, voilà, et j'aimerais vraiment retrouver euh, le fait d'avoir euh, plusieurs vidéos par semaine sur ma chaîne, parce que c'est ce que je vous proposais il y a encore il y a quelques mois, et que ces derniers temps j'ai du mal à faire pour euh, pour une histoire d'organisation et puis un peu de motivation avec ces, ces vlogs qui n'en étaient pas. Voilà pour cette très longue introduction. je termine quand même l'introduction donc comme je vous dis il y a plusieurs il y aura plusieurs parties dans ce vlog euh, si jamais j'ai des rencontres littéraires etc je vous parlerai de ça dans la partie actualité donc je m'interdis pas le fait de, de filmer des petits bouts de vidéos que je mettrai avant mon petit blabla comme ce que vous avez pu voir ici et puis après bah voilà on commencera avec une partie actualité où je vous parlerai de tout ce qu'il a pu euh se dérouler dans la semaine et puis ensuite on passera aux réceptions, enfin dans la semaine. Faut que j'arrête de dire dans la semaine puisque je veux pas être sur un épisode par semaine forcément, j'aimerais être un peu plus, en tout cas depuis les actualités, depuis le, le dernier enregistrement. J'essaierai aussi de davantage détailler dans la barre d'infos les livres dont je vous ai parlé. Alors les réceptions je ne sais pas, mais au moins les livres terminés dont j'ai parlé et peut-être aussi les livres en cours. Ça m'aidera moi-même à savoir ce qu'il y a dans mes vidéos parce que je suis amenée à des fois envoyer des liens à certaines personnes et je ne sais plus et j'ai pas, pas forcément l'envie de, de revisionner ce que j'ai pu dire. Voilà. C'est bon. Bon, vous avez compris, je continuerai à être bavarde mais euh, j'espère que ce ne seront pas des, des épisodes à nouveau de plus d'une heure à chaque fois parce que dans ces cas-là, ce serait peut-être mieux de faire plusieurs vidéos séparées. On commence avec la partie actualité. Alors, actualité, euh, depuis le, le dernier vlog, j'ai été très raisonnable parce que j'ai été à la FNAC à Saint-Lazare, euh, qui est euh, une de mes FNAC, enfin c'est ma FNAC préférée en fait, et j'ai été raisonnable parce que je n'ai pas craqué, euh, j'ai été dans le rayon euh, polar thriller, il euh, y a pas mal de, de livres qui me tentaient, mais euh, voilà, j'ai ma palle que vous ne voyez pas, mais qui est là-bas, vous savez qu'on a... On a changé un petit peu la disposition euh, au niveau des bibliothèques. On a réussi à ajouter des bibliothèques pour avoir davantage de place pour ranger mes livres. Ma bibliothèque euh, avec les livres à lire est pleine, pleine, pleine. C'est-à-dire qu'il y a des livres comme ça sur deux rangées. Et puis, il euh, y a aussi des livres au-dessus. Donc euh, voilà, elle est archi pleine et, et de livres que j'aimerais lire. Et dans les polars et thrillers, euh, avant, de, avant de, de passer à l'achat euh, comme ça... Euh, euh, de nouveaux livres pour euh, ma pâle. Euh, ce serait bien que je lise euh, les livres que j'ai achetés à Noir sur Ormeçon ou au Quai du Pola. Euh, voilà. On passe du coup maintenant à la partie euh, des, euh, des réceptions euh, livresques. Alors dans les réceptions livresques, euh, je crois pas vous avoir parlé des derniers livres que j'ai reçus de chez Harper Collins. Donc c'est des livres que j'avais demandés. Euh, il y a Les loups garous d'Argentine de Jérémy Wulke. je ne sais pas comment ça se prononce. C'est euh, un thriller, c'est son premier livre et il y a son deuxième qui vient de sortir. Je, quand j'ai montré euh, que j'avais reçu ça sur Instagram en story, j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui m'ont dit mais ce livre en fait c'est juste un coup de cœur. Alors je vous lis du coup la quatrième de couverture. Et si vous découvriez que votre famille était construite sur un mensonge Flic et mérite, Arnaud Schimanski connaît pourtant une mauvaise passe à la suite d'une bavure. Sur la scellette depuis plusieurs mois, il tente de sortir la tête de l'eau. Or, quand on lui annonce le décès de son grand-père, c'est le coup de grâce. Véritable héros rescapé d'Auschwitz, amateur d'art, le pilier de la famille vient de disparaître. Afin de soutenir son père, Arnaud vient prêter main forte pour vider la maison du défunt. Il y trouve d'abord de mystérieux carnets, dont il ignore s'ils sont écrits de la main de son grand-père avant de faire une découverte plus surprenante encore et affreusement dérangeante. Déterminé à, à percer les secrets de son aïeul, Arnaud profite de sa suspension pour prendre rendez-vous avec l'histoire. Et donc là, il y a notamment des, euh, des, des citations de, de journalistes, un polar aussi tortueux qu'inquiétant, un ouvrage intense, glaçant et très bien documenté. Ah, ben bah voilà, ça c'est le nouveau livre de l'auteur 666 chez Pygmalion. Euh, c'est un livre qui fait 400 pages, mais il est écrit. Euh... Il est écrit assez gros, quoi. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de chapitres, parce qu'à la page 100, on est déjà au chapitre 18, puis il y a des pages blanches entre chaque. Donc, euh... donc il devrait euh, bien se lire, et j'ai assez hâte de le découvrir. Et puis, euh, de Sherper Collins, j'ai également reçu le deuxième tome. De Nero et Marlowe, les chats mènent l'enquête. Alors, j'ai toujours pas lu le premier, mais, mais, je compte bien le lire. Alors, c'est un livre de Leitan, Leitan Dobbs. Elle a été ingénieure développeuse pendant 20 ans avant de commencer à écrire des cozy mysteries. Et elle vit dans le New Hampshire. Ah euh, oh tiens, il y a des recettes à la fin. Bon, je, je sais pas. J'ai hâte de découvrir parce que voilà, c'est un cosy mystery. En même temps, quand euh, j'ai essayé de lire un livre avec des moutons qui menaient l'enquête, j'étais pas, j'y arrivais pas trop. Euh, J'arrivais pas trop à me mettre dans l'histoire. Donc, euh, voilà. J'ai hâte. Si vous avez lu le tome précédent, je, je, veux bien votre avis. Pour savoir ce que vous en avez euh, pensé et si ça, je sais pas, si c'est crédible, quoi, si ça le fait. Euh... Ensuite, j'ai reçu deux livres de chez Charleston. Ce sont des épreuves non corrigées que j'ai à lire en tant que lectrice Charleston. Donc notamment le nouveau livre d'Emmy Harmon, Un tourbillon de sable et de cendre. Un... C'est un livre qui sortira au mois de septembre. Euh... Ouais, même fin septembre. Et donc là, on sera à Florence dans le début des années euh, 1940. Ah, c'est bien ça. Il y a à la fois euh, un côté euh, historique. Euh... Un côté historique, et puis à Florence, ça m'intéresse. Euh, Amy Harmon nous offre une épopée familiale d'une grande justesse dans une Italie confrontée à l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Ça me donne vachement envie. <laughs> Donc euh, voilà, bah, comme vous l'avez compris, il sort pas tout de suite, hein, mais, euh, mais du coup, j'ai déjà reçu les épreuves non corrigées euh, pour, euh, pour pouvoir euh, découvrir euh, ce livre et donner mon avis avant qu'il sorte. Euh, pas en épreuve non corrigée, mais en, en vrai livre, terminé. Et j'ai euh, aussi reçu Pour que Chantent les montagnes, donc c'est un, un livre de la rentrée littéraire, de Nguyen Fan Kemai, je suis pas sûre de bien le prononcer, donc c'est un livre qui va se passer au Vietnam en 1972. Alors là, avec une justesse historique remarquable, Nguyen Phan Khe Mai nous offre un voyage poignant à travers un siècle d'histoire vietnamienne, de l'occupation française à la chute de Saigon, en passant par l'invasion japonaise, un hymne intime à la résilience des peuples ravagés par la haine et la mort. Et ça m'intéresse pour en savoir davantage, justement. Donc c'est un livre qui fait aussi 400 et quelques pages. Oh tiens, il y a un arbre généalogique tout au début. C'est bien ça. Il s'est mis traduit de l'anglais, mais. Quelle est la nationalité euh... Est-ce qu'elle est vraiment vietnamienne, l'autrice Je suis en train de penser à ma carte sur le Livre Addict, ma carte du monde. Est-ce que je vais pouvoir colorier la couleur euh, du. Est-ce que je vais pouvoir colorier le, le Vietnam en, en bleu ou pas Voilà. Donc je vous parlerai de tout ça quand, euh... eh bien, quand, quand je les aurai lus. J'ai aussi reçu de la part d'Audiolib, le dernier livre d'Aurélie Valogne en livre audio. Euh, Aurélie Valogne, de mon côté, après avoir euh, découvert ses premiers livres en livre papier, euh, pour moi, c'est ça et les livres, euh, la série Agatha Raisin, ce sont vraiment les livres audio pour moi par excellence. quoi. Donc, euh, donc voilà, Larry Tournelle, euh, c'est un petit livre audio puisqu'il dure seulement 3h40. Et puis... J'ai reçu le magazine page, euh, celui du printemps, qui est autour du euh, quai du polar, hein, comme on peut deviner à la couverture. Euh, je ne l'ai même pas encore feuilleté en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais, je vais le feuilleter avec plaisir. Je ne l'avais même pas feuilleté je tombe déjà sur des livres. Euh, sur des livres dont je veux en savoir davantage. Ah ouais, non, mais en fait, un, un 100% polar comme ça, mais c'est trop bien. Parce qu'il y en a plein des livres que j'ai vus passer. Non, euh, alors, qu'est-ce que je peux vous montrer déjà euh, Ce livre, Léonie, j'ai pas arrêté de le voir passer et, euh, et il m'intrigue du coup. Euh, Barbara Abel, euh, pareil pour euh, celui-ci. Euh, Jacques Expert euh, Tac 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 les ravissantes, euh, les ravissantes, mais je veux vraiment le lire, il est dans ma palle. Hein, de, ce, ce dernier livre de Romain Puertolas. Ah, Celui-là, mais quand j'ai vu la couverture... Oh, je sais pas si vous voyez. Alors c'est du tricot, donc si vous voulez, ça m'a quand même interpellé. Mais en fait, euh, il s'appelle Priya, la fille du boucher, et, et c'est un tricot avec... Euh, du steak haché. Après je sais pas euh, d'où vient ce steak quoi. <laughs> euh, Les larmes du Reich, pareil, je l'ai pas mal vu passer. Le anatomazie aussi. Euh, le, le nouveau livre euh, d'Eva Björg Aigis à, à euh, Alors j'ai toujours pas lu son premier qui est euh, Elma, mais justement on retrouve Elma dans ce livre, donc il euh, faudrait les lire dans l'ordre. Là. Le John Lier Horst que j'ai reçu la semaine dernière. Ici, euh, c'est lequel d'ailleurs C'est l'horizon d'une nuit de Camille Grébeux qui vient de sortir. D'ailleurs, je vous avais dit que le Camille euh donc celui-ci, l'horizon d'une nuit, c'était une suite. D'après ce que m'avait dit l'autrice, alors en fait, on s'est pas du tout comprise. Euh, Quelqu'un m'a dit en commentaire que c'était pas une suite. En fait, c'était bien un one shot. Et ce que j'ai un peu supposé. Euh en tombant sur d'autres choses depuis, en fait. Donc euh, voilà. Donc c'est pas, un... c'est un one shot, ce qui m'arrange tout à fait. Euh, voilà. Bon, c'est pas le moment de, c'est pas le moment pour pour feuilleter tout ça, mais euh... mais ça va être intéressant. Voilà. Donc ça, je me poserai un peu pour, pour pouvoir euh, le regarder. Euh, du coup, je passe maintenant aux livres que j'ai lus. Et il y en a plusieurs. Comme vous le savez, euh, ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas une grande fan des pavés. Euh, les livres de plus de 500 pages me, me font un peu peur parce que je me dis, voilà au lieu de pa passer du temps à lire un livre de 500 pages, voire 600 pages, avec tout ce que j'ai dans ma palle, je pourrais très bien plutôt lire euh, deux livres de 250, 300 pages. Euh, voilà, ça permettrait de, de, bah, de faire partir euh, euh, ma palle deux fois plus vite, quoi. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas une grande fan. Et il s'avère que ce mois d'avril, je ne sais pas, pourquoi Et c'est un peu le mois du, du pavé chez moi, et pourtant j'en ai enlevé. Hein, mais, mais non. Et donc j'y vais pas forcément gaiement, on va dire. J'ai toujours peur que ce soit trop long. Déjà, je le planifie sur beaucoup de jours et tout. Et en même temps, en même temps... Euh les livres que je lis, c'est des livres que j'ai envie de lire, donc le résumé me plaît, et donc souvent euh, les pavés. En fin de compte, il y a un moment donné où il y a de la magie opère, et euh, et en fait, euh, je vais les lire plus vite que si je lisais deux livres séparés de 250-300 pages, dans lesquels à chaque fois faut entrer dans une nouvelle histoire. Donc il y a deux moments où c'est toujours un peu lent entre les personnages, les lieux, l'histoire, l'intrigue, Donc il y a toujours un moment, une phase où voilà d'adaptation on va dire et puis bah, après on finit le livre on recommence avec une adaptation et tout et je pense que un, un pavé de 600 pages avec lequel j'accroche bien euh, passera plus vite que deux livres de 300 pages. Même si j'ai tendance à l'oublier et que euh, s'il y a un livre qui me plaît et que je suis en librairie et que je vois le, le pavé, je me dis mais, euh... mais non quoi <laughs> Non, c'est trop long. Donc, sur ce mois d'avril, j'ai terminé euh, le lien de Moriarty, la semaine dernière. Alors, certes, c'était un livre audio, mais euh, c'était un bon pavé de 500-600 pages. Voilà, il y avait déjà ça. Ensuite, j'ai lu La Plantation. Je l'ai terminé, je vous en avais parlé la, euh, lors de mon dernier vlog, en fait. Hein. Donc, euh, donc, voilà, je l'ai terminé, 604 pages. Et puis, j'ai lu La sœur à la perle. Je l'ai lu puis je l'ai fini en audio parce que j'avais pris un peu trop de temps. Euh, voilà. 598 pages. Et ensuite, j'ai lu La couleur des sentiments qui fait tac 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 609 pages. Et je ne vous parle pas encore de mon livre en cours qui fait 680 pages. Tout va bien. <laughs> alors certes en nombre de pages euh, c'est pas mal hein, euh, mais euh, en nombre de livres ce mois-ci ce sera pas génial. Ce qui est très rigolo en plus c'est que dans, dans ces trois livres euh, je retrouve euh, certains sujets qui sont très intéressants et, euh, et voilà, c'est assez... Il euh, y a... Euh, alors d'ailleurs dans l'autre pavé aussi. Mais il y a, y a le sujet euh, du racisme à différentes, différentes périodes histo historiques. Euh, J'arrive pas à parler. À différentes périodes historiques qui est abordé et, euh, et je trouve ça euh, très intéressant. Voilà, très utile. Du coup, donc la plantation de Leila Micham. Donc c'est le premier livre que je lis de cette autrice. Euh, du coup, j'ai très envie de lire euh, Les Roses de Somerset. Et dans ma palle, j'ai Le Vol des libellules et euh, et que j'ai très envie de découvrir du coup. Euh, donc là, on est sur une fresque familiale. Voilà, la plantation. Donc on est sur, euh, euh, on est au sud des États-Unis, euh, en Caroline du Sud, en 1835. Mais en même temps, on va de 1835 à, euh, je sais plus si on arrive vraiment à oui 1900. Voilà, 1835 à 1900. On suit euh, deux personnages principalement. On suit Silas, Silas Oliver et Jessica, Jessica Windham. Donc on suit ces, ces personnages. On va les suivre bah, tout au long de ces années. Donc quand on les quand on les découvre, ils sont assez jeunes. Enfin euh, un peu. Je crois que Jessica a moins de 20 ans et Silas peut-être un peu plus, mais bon et et donc voilà on va les suivre comme ça pendant pendant de, de très nombreuses années dans ce livre il y aura le sujet de l'esclavage euh, donc on a on a silas qui en fait est le est le deuxième fils d'une famille et son père décède et en fait il l'a comme oublié dans l'héritage donc tous tout ses biens toute sa plantation vont à, au fils aîné et lui Silas, se retrouve sans rien et son rêve ce serait d'aller au Texas et d'y installer une plantation et euh, voilà de de faire euh, bah, sa propre plantation euh, surtout qu'on n'y a pas beaucoup aidé on lui a rien euh, euh, légué en fait et il voudrait tout tout faire euh, lui-même voilà. parce qu'il n'a pas le choix et en même temps ça ça va quand même avec euh, avec euh, le personnage quoi et puis de l'autre côté, on a Jessica, Jessica Windham. Donc elle, elle est, euh, elle est issue d'une famille assez riche, euh, de, de propriétaires euh, de, de terres. Et, euh, et en fait, elle, euh, elle a beau être assez jeune, elle a quand même un, un, un bon caractère. Elle se laisse pas faire et, euh, et elle a notamment euh, une, bah, sa meilleure amie est noire, ce qui à l'époque à cet endroit est, est très choquant en fait. Euh, et donc le, le, le père de Jessica euh, ne l'accepte pas vraiment. Et ensuite Jessica, elle s'arrête pas là. Enfin, dès qu'elle peut aider, dès qu'elle peut euh, euh, essayer de, de protéger, euh, notamment des esclaves en fuite, elle n'hésite pas à le faire. Sauf que à, à, au bout d'un moment, ça va un peu trop loin pour qu'elle puisse euh, rester dans sa famille, on va dire. <laughs> Voilà. Donc euh, donc c'est très c'est très intéressant parce que c'est une période historique que je connais mal. Euh, alors déjà si on me dit 1835 en France euh, comment ça se passe et qu'on me demande d enfin voilà des, des détails ou euh, je je, je sais pas ce que je, si je pourrais en donner beaucoup mais alors aux États-Unis encore moins et, et là j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans, dans toute cette période on suit notamment euh, euh, alors par, par petit bout euh, à la place des personnages on suit la guerre de sécession et, euh, et voilà moi j'ai pas mal appris ça me donne envie d'en savoir davantage mais euh, mais là il y a un côté euh, c'est euh, comment les Américains enfin Sud États Unis vivait de 1835 à 1900. Alors, certes, on est sur un exemple, un, deux, trois exemples, mais, euh, et encore, je, je pense à trois exemples pour trois familles qui voilà qui sont toujours ensemble, mais bon, au final, ils vivaient un peu la même chose. Euh, c'est... Enfin, euh, c'est... Ouais, c'est très intéressant. Ça reste euh, une une euh, un point de vue enfin euh, euh, parce enfin dans le sens où il euh, y avait certainement beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres cas etc etc mais mais voilà j'ai trouvé que c'était très très intéressant euh, euh, de d'en savoir davantage et euh, et également révoltant, bah révoltant parce que parce que voilà, est... <laughs> on est sur on est sur l'esclavage au sud des États-Unis. Donc on sait que nord et sud sur sur ce sujet-là, euh, voilà. Donc je vous le conseille vraiment, euh, je vous le conseille vraiment. Moi je je l'ai, je vais pas dire que je l'ai dévoré, mais je l'ai vraiment lu très rapidement. J'avais beaucoup de mal à beaucoup de mal à, à le poser. Il euh, y a un côté addictif en fait. Euh, je voulais en savoir plus sur cette famille, etc. Et je sais que je les retrouverai dans les roses de Somerset. Euh, donc euh, donc j'ai hâte du coup de lire les roses de Somerset. Ensuite, la sœur à la perle, qui est le quatrième tome des sept sœurs, j'ai eu un doute. Je ne suis pas sûre que je pourrais vous donner les... les nom des, des enfin les titres des livres des sept sœurs par Moi je peux me faire aider là-bas de de la pile Charleston. Donc le premier tome c'était les sept sœurs, le deuxième la sœur de la tempête, le troisième c'était euh, je ne vois pas d'ici mais c'était la sœur de l'ombre et euh, là on est donc euh, la sœur à la perle. J'adore, je suis trop fan de cette couverture vraiment les couleurs, le paysage, c'est magnifique. Alors donc on suit Sissi, euh, Cici, Cici euh dans dans ce tome. Donc la quatrième sœur qui, pour l'instant, si on devait me donner, me dire bah ben voilà, c'est qui ta sœur préférée et celle que t'aimes le moins jusqu'à ce livre, je vous aurais dit ah ben, alors celle que j'aime le moins c'est clairement Sissi, quoi. Enfin, encore plus après le tome 3, euh, Non, j'accroche pas. Voilà. Maintenant, <laughs> étant donné que je pense que ce tome est, euh, je sais pas si je peux dire que c'est mon préféré, mais j'ai un peu moins aimé le, le tome 3. Je l'ai bien aimé, mais j'ai un peu moins aimé parce que on était sur, euh, on était sur, en Angleterre au début euh, des années 1900 ou fin des années 1800, je sais plus exactement. Mais en tout cas, il n'y avait pas une grande découverte sur euh, sur la période et, euh, et le, le pays euh, par rapport aux, aux deux précédents euh, livres des Sept Sœurs. Et euh, voilà, le premier pour moi a été euh, la découverte. le moment où je me suis dit, ah ouais, je comprends qu'il y a un tel engouement autour de cette série. Le deuxième a été euh, extra sur, sur le côté euh, voyage, en fait. Enfin, moi, j'étais... Euh, je sais plus si je l'ai lu euh, en fin d'année, mais en tout cas, voilà, c'était l'hiver, j'étais dans mon canapé, je bougeais pas de chez moi. En plus, on était plus ou moins confinés ou pas mal. Enfin, euh, on n'était pas confinés cet hiver, mais moi j'ai eu beaucoup plus de télétravail à cause du contexte sanitaire. Et, euh, et là, voilà, j'ai avec le, le tome 2, j'ai l'impression d'avoir encore plus voyagé. Avec le tome 3, bah, hum, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir moins découvert de choses que dans les deux tomes précédents. Et là, j'ai à nouveau découvert des choses comme dans les deux premiers tomes. Je pense que le tome 3 c'est totalement lié à l'effet d'Anton et dans les livres. Euh, voilà. Dans ce livre, donc, on suit euh, Sissi euh, qui, bah, qui part à son tour à la recherche de ses origines. Hein. Comme vous le savez, les sept sœurs, ce sont euh, bah, pour l'instant six sœurs adoptées par Pas, euh, pas pa, pa euh Et au, au décès de Pas, et eh bien chacune vont découvrir leurs origines. Donc il y a... Dans les livres, un schéma qui se répète à chaque fois, avec une double temporalité où on a la sœur qui découvre ses origines petit à petit, etc. Euh, en général, on part du moment où, en tout cas, le début, c'est vraiment le décès de Pas. Et puis, petit à petit, elle va découvrir ses origines. Et puis, ensuite, double temporalité parce qu'on va suivre un autre personnage dans une autre période historique, à un autre endroit, et puis on va voir le lien entre ce personnage et, euh, et puis, euh, la sœur, euh, voilà. Donc ça se passe globalement comme ça. C'est un schéma qui se répète, de mon côté, ça, ça ne me gêne absolument pas parce que quand j'y vais dans, quand je vais dans un tome des sept sœurs, je sais que je retrouverai ce schéma. Mais je ne sais pas où je vais, bon, sauf si je lis la quatrième de couverture, et je ne sais pas quel sera le domaine. Il euh, y a des, des passions, des choses, des, des goûts. Euh, là, on a beaucoup de choses autour de l'art. Euh, la peinture, enfin... L'art est assez large, donc on est plus sur de la peinture. Dans le tome 2, on avait euh, de la musique. Euh, dans le, le tome 3, on avait la littérature. Euh, euh, et, et voilà, c'est vraiment des choses, ça fait partie de, de ce que j'aime aussi, en fait. Donc, euh, le schéma, je le connais globalement, ouais. Mais en même temps, euh, je vais voyager, en fait. Et je vais, euh, je vais, eh ben, euh, je sais pas comment dire, euh, vraiment, euh, ouvrir euh, et enfin m'ouvrir l'esprit et découvrir des choses et et c'est aussi euh, c'est aussi le résumé de ces trois livres c'est euh, c'est pas ce que c'est ce pas forcément ce que je préfère c'est pas le style de livre vers lequel vers lesquels je vais me tourner comme ça c'est euh, mais euh, mais ce sont des livres que j'ai découverts alors notamment celui-ci je vous l'ai pas dit mais je l'ai lu avec euh, le gang des Todd bags c'était un livre qui était dans la palle d'Engie et euh, je... Je sais pas si j'y aurais été en fait autrement. Là, on le découvre. Bah, je joue le jeu en fait de la découverte et ça marche. Enfin, et du coup, euh, j'adore et j'ai juste envie de lire d'autres livres sur le sujet. Euh, là, je je connais pas bien euh, l'Australie. Je euh, bon tout ce qui est peinture euh, notamment euh, celle dont on parle bon je, je connais pas trop mais y a un, un petit bout d'impressionnisme un petit bout de Claude Monet ça ça va <laughs> ça me parle beaucoup mais euh, mais c'est enfin je, je fais des découvertes de, de personnes ayant réellement existé et de lieux voilà et puis euh, je vous parlerai après de la couleur des sentiments donc euh, donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est euh, en fait, c'est des livres où quand je les referme, je me dis... Ah, je suis contente de cette découverte. J'aimerais en savoir davantage. Il faut que je lise d'autres livres sur le sujet. Au niveau historique, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, ça deviendra un peu euh, des livres références auxquels je penserai quand on parlera. Euh, je sais pas si on. Maintenant, si on dit euh, tiens euh, États-Unis, Sud des États-Unis, 1850. bah pour l'instant, euh... alors j'ai peut-être lu d'autres livres sur le sujet et j'oublie. Mais là, je penserai certainement à la plantation, quoi. Enfin, voilà. Donc là, si on parle d'Australie, bah, j'en connais un petit peu mieux sur l'histoire de l'Australie et notamment, et eh bien le racisme et tout ce qu'il y avait avec les aborigènes, etc. Et voilà, ça fait penser aussi à avec euh, avec le livre de la plantation, aux colonies et ça me donne envie de de de, de, bah, de tirer le fil et d'en savoir davantage, quoi. Enfin. Euh, le, le côté euh, voilà les Européens débarquent il y a un peuple en place et puis euh, ça se passe pas bien et puis après il y a du racisme mais voilà enfin j'aimerais derrière euh, euh, plutôt que de résumer ça euh, très euh, très bêtement comme je viens de vous le faire j'aimerais en fait euh, m'alimenter et en savoir plus en fait parce que là j'avais l'impression que c'était le même schéma qui se reproduisait en Australie est-ce que c'est vrai est-ce que enfin voilà donc euh, c'est très intéressant <laughs> Euh, donc euh, donc du coup bah je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Euh Sissi, qui me paraissait euh, froide et, euh, et et qui avait tendance à garder star euh, près d'elle et tout. Bah bon, déjà cette image a été un peu modifiée avec euh, avec le tome 3 parce que moi j'imaginais Cici euh, 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 très forte personnalité euh, star euh, toute euh, euh, toute faible sous euh, l'emprise de Sissi et en fait euh, voilà les tomes 3 et 4 viennent un peu démentir tout ça ou en tout cas mieux comprendre ce qui ce qui a pu se passer voilà donc euh, donc c'était c'était très bien et je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, comme je vous dis je l'ai terminé en, en audio euh, pour une histoire de planning lecture mais euh, mais vraiment très très bon tome et euh, bah, j'ai hâte de lire la suite mais euh, mon planning lecture est plein euh, sur avril et mai et la suite, alors je ne sais pas laquelle ce sera. J'en ai encore deux dans ma palle. J'ai La sœur de la lune, La sœur du soleil. Euh, la sœur du soleil Ce n'est pas un hein, 600 pages. Hein. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai pris celui-ci dans ma, dans ma palle, je ne savais pas le. Enfin, je, je connais pas toutes la, les tomes des sept sœurs. Je, je suis en pleine découverte de la série. Donc, je ne peux pas vous dire euh, par cœur. Là, maintenant. Je, je, si on me dit euh, dans les, les noms des quatre premiers tomes, je peux vous les mettre dans l'ordre, je sais à qui ça fait référence, voilà, maintenant c'est bon. Mais euh, avant ça, je sais pas. Donc quand j'ai vu dans ma palle les trois livres des sept sœurs que j'avais, et je me suis dit attends, c'est lequel, et que j'ai sorti celui-ci, j'étais contente parce que c'était le plus fin. 600 pages. J'aime pas les pavés. Mais ça se lit vite, quoi, ça se lit vraiment vite. Voilà, donc, euh, donc je suis contente. Là, en tant que lectrice Charleston, cette année, j'avais très envie de découvrir la Villa aux Étoffes. Donc, je suis à jour de la Villa aux Étoffes. Euh, J'ai lu les quatre premiers tomes. Le cinquième sortira dans pas très longtemps. Et j'avais très envie donc de, de, de découvrir les Sept sœurs, euh, ce que je continue à faire. Mais là, pour le coup, il euh, y, a, y a plus de quatre tomes et je vais, je vais continuer dans, dans ma lancée. Euh... Voilà, ils existent en poche chez Livre de poche si ça vous intéresse. Et du coup, si vous avez, si vous les avez lus, euh, est-ce que comme moi, le quatrième tome est vraiment un, un coup de cœur, quoi, enfin, un, euh, que vous avez dévoré euh, Et ça se trouve, le tome 3, c'est celui que vous préférez, donc euh, donc, n'hésitez pas à me le dire. et Et, euh, et pourquoi, enfin, c'est toujours intéressant. Autre livre que j'ai terminé hier soir, La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Donc, euh, j'ai eu un week-end de trois jours parce qu'il y avait le lundi de Pâques et j'ai lu ce livre en deux jours, donc deux jours où je ne travaillais pas. Mais c'est un pavé de 600 pages, donc je suis bien contente. <laughs> euh, je je, je l'ai adoré. La couleur des sentiments, c'est un livre qui me titille depuis un long moment. Euh, un long, si long moment. Ça a commencé avec Alabama, 1963, de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, qui est un livre que j'adore, euh, d'auteur que j'adore, comme vous le savez. Et euh, en fait, ce livre, euh, ce livre, au moment où je l'ai lu, je j'ai vu une vidéo de Stéphanie de Pikiti où elle en parlait, elle, elle donnait son avis et elle elle parlait de la couleur des sentiments justement. Euh, alors je ne sais plus bien ce qu'elle disait exactement. Ça ça date un peu. Hein, euh, C'est un livre qui est sorti il euh, y a il y a un, un bon moment maintenant, mais Bon, du coup, déjà à ce moment-là, la couleur des sentiments. Bon. et puis euh, de toute façon, même les auteurs parlaient de la couleur des sentiments. Euh, et voilà, c'est donc j'ai beaucoup beaucoup aimé *Alabama* 1963 et sans que ce soit euh, euh, décrit comme de livres identiques et tout ça, mais en tout cas, ça faisait penser. Ou voilà, ce livre de la couleur des sentiments ressortait beaucoup. Bon, moi, j'étais pas forcément euh, prête à, à le découvrir, mais euh... J'en ai pris note. Et puis j'ai lu, euh, il y a pas très longtemps, comme vous le savez, un long, si long après-midi d'Inga Vesper chez La Martinière, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait penser à Alabama 1963 sur certains points, mais pas surtout et notamment euh, l'écriture, euh, le, le côté un peu... Euh, humour, mais pas trop, euh, et puis le sujet, hein, le sujet, bien évidemment, de la ségrégation, ça, a été, ça a été, euh, ça a été euh, bah, avec Alabama 1963, c'est un sujet qui m'a beaucoup plu. Le retrouver là, dans un long, si long après-midi, ça m'a également beaucoup plu. Et, euh, et, puis, encore une fois, bah, la couleur des sentiments, euh, on m'en a parlé, et notamment Florence, de Flo and Books. Euh, après avoir découvert un long si long après-midi. Elle a aussi beaucoup aimé Alabama 1963. Donc, euh, donc bah, du coup, elle qui a lu La Couleur des Sentiments me dit bah, « <laughs> Voilà, <rire> il faudrait que tu découvres La Couleur des Sentiments. Euh, » Et tout ça, on en parlait euh, bah, euh, au moment du, du brunch de, euh, organisé par, euh, par le Cherche-Midi, par Benoît, du Cherche-Midi pour le nouveau livre « du duo euh, Ludovic Manchette et Christian Niemiec euh, pour euh, America et, euh, et puis après euh, après ce brunch, on a fait un petit tour chez euh, Gibert avec euh, le gang des Toddbag donc euh, NJ Estelle et Flo et puis on était euh, aussi accompagné de euh, Marine et de Ludivine euh, lecture du chapitre et euh, et puis bah du coup, comme Florence m'avait parlé euh, de la couleur des sentiments, j'ai regardé s'il y était il y était, et Ludivine me dit Bah écoute, je l'ai dans ma palle, si tu veux, euh, on se le lit ensemble. Mais oui <laughs> Mais oui euh, Ça peut être, ça peut être une, une façon de se motiver, surtout sur un pavé Voilà, ça pouvait aider quand même. Euh, J'ai adoré ce livre, c'est un coup de cœur, mais total. Il euh, y a peut-être un petit passage qui m'a déplu, ou si on enlevait ce petit passage, le livre serait parfait. Euh, donc, euh, c'est pas grand chose. Dans un livre de 600 pages, euh, c'est qu'on approche vraiment d'une certaine perfection. C'est un. Bah, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, dans ce livre. On suit euh, trois personnages, c'est un roman choral. Alors donc dans ce livre on a Lynn, qui est euh, j'allais dire une esclave noire. Oh non, c'est pas une esclave noire, c'est une femme de ménage noire. On est en 1962. Euh, on a Minnie qui est également domestique noire. Et euh, on a Miss Skitter qui elle est blanche. Euh, jeune, elle habite chez ses parents. Euh, enfin, jeune, euh, toutes ses, ses copines euh, euh, sont euh, sont mariées dans un foyer euh, avec leur domestique noir. Euh, et euh, mais voilà, elle, elle elle habite encore chez ses parents. Elle est pas pressée de 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 se marier ni quoi que ce soit. Et donc on va suivre euh, on va suivre ces 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 trois personnages. Euh, sachant que voilà, on est en 1962, donc il y a des petites choses qui, qui remuent, qui commencent à remuer. Alors on est dans le Mississippi, hein, je, je précise parce que parce que c'est pas du tout la même chose en 1962. Le enfin, le, le le lieu euh, est très important euh, aux États-Unis. Euh, euh, comment qu'est-ce que je peux vous dire sans, sans vous spoiler bah voilà et Billine elle a, ça fait 40 ans qu'elle travaille euh, en tant que, que domestique euh, elle euh, euh, elle a vu pas mal de choses euh, voilà elle c est, c est, elle les a vues elle euh, je sais pas qu'elle s'en fait une raison mais bon, voilà Minnie, elle en, en revanche elle a un côté un peu plus euh, grande gueule euh, ce qui façon de parler en tout cas elle se pas faire et euh, ce qui va pas forcément lui rendre service quoi <laughs> et puis on a euh, Basquita elle elle se pose des questions parce que euh, et là c'est enfin c'est très bien décrit dans, dans ce livre en fait euh, la, les domestiques noires elles font quoi elles font le ménage elles font la cuisine euh, et elles s'occupent des enfants et euh, et du coup euh, donc là dans dans enfin je pense à, à la famille où dans laquelle est et euh, Aibileen c'est euh, c'est une famille voilà la 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 femme blanche a une fille dont elle s'occupe pas beaucoup alors la, la femme ne travaille pas euh, elle est à la maison le mari travaille euh, le mari travaille et a de grandes exigences sur euh, la tenue de la maison euh, l'éducation et et, euh, et donc euh, au lieu de, de lui-même reprendre sa fille il va dire à sa femme tu pourrais quand même reprendre euh, des choses comme ça qui existe encore maintenant hein. je pense à des gens que je connais où euh, où ça se passe comme ça en fait c'est c'est Curieux euh, et euh, et donc euh, donc voilà il y a ce côté là la femme bah euh, elle euh, elle enfin là en l'occurrence celle-ci exerce euh, son autorité sur la domestique noire en disant faudra que tu fasses ça faudra faire ça faudra faire ça etc et puis euh, ne s'occupe pas particulièrement de son enfant et c'est la domestique qui s'occupe complètement de l'enfant en fait. Et, euh, et alors là, enfin, c'est énormément bien décrit et, et j'avais, enfin, je, je trouve ça, on voit en fait le, 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 le la bêtise et euh, des incohérences, enfin. Euh, et donc c'est elle qui s'occupe totalement des enfants. Donc en fait, elle a l'impression dans, dans sa carrière, comme je vous dis, une quarantaine d'années de service, elle a l'impression d'avoir eu énormément d'enfants et pas les siens. Elle en a eu qu'un, elle, pour sa part. Mais elle s'est occupée de, de beaucoup d'autres enfants. Elle les a élevés, en fin de compte. Et euh, et puis voilà, on est à une période où euh, bah là euh, celle la famille chez qui euh, chez qui Abeline est euh, bah reçoit la femme elle reçoit ses amis euh, la journée et euh, et puis euh, dont une qui est assez coriace avec des des idées assez arrêtées et dit non mais attends enfin euh, euh, ta domestique, elle utilise quoi comme toilette Ne me dis pas qu'elle utilise les toilettes des invités, parce que, bien sûr qu'ils ont des maladies. Et, euh, et du coup, on va tous attraper ces maladies. Donc, euh, il devrait avoir... Elle devrait avoir ses propres toilettes. Et donc, ça dégénère, etc. Et, euh, et là, on voit euh, l'incohérence, quoi. Enfin... C'est-à-dire euh, que la, la femme, elle s'occupe absolument pas de ses enfants, ne, enfin, de son enfant, ne serait-ce que... Euh, euh, le minimum en fait, euh, lui parler, la changer, euh, etc. Elle charge la domestique, par contre la domestique elle est pas assez bien, enfin je sais pas, c'est euh, révoltant quoi, voilà. <laughs> c'est tout simplement révoltant. Mais très intéressant, euh, très intéressant dans, sur, sur ce sujet quoi. Et euh, en fait je vous disais que j'avais découvert avec Alabama 1963, mais je, non, c'est avec Ken Follett, avec la, la trilogie du siècle, alors c'est pas le premier tome, c'est peut-être le dernier tome du coup, du siècle Premier tome, c'est Première Guerre mondiale. Deuxième tome, c'est Deuxième Guerre mondiale. Troisième tome, c'est la Guerre froide. Donc, euh, donc c'est plus là que j'ai un peu entreaperçu le côté euh, les toilettes séparées dans le bus, dans euh, voilà. Et puis après avec Alabama 1963, un an sinon après midi et celui-ci. Donc j'ai pas lu 50 livres sur le sujet, mais euh, je trouve ça très intéressant et très révoltant. Et puis euh, et puis 1962, c'est il y a pas si longtemps que ça. Donc ça fait froid dans le dos en fait. Voilà, je suis très contente d'avoir lu ce livre puisque, euh, puisque voilà, il y a deux livres que j'ai beaucoup aimés qui, euh, qui ont... Quand d'autres personnes ont aimé ces deux livres que j'ai aimés, elles parlaient, euh, se référaient à la couleur des sentiments. Donc j'ai l'impression d'avoir lu le livre de référence. Euh, à la fin, il y a un petit, un petit chapitre où l'autrice écrit euh, son, euh, son lien avec cette histoire. Très intéressant euh, donc c'est un livre qui est pas récent puisque il date de de 2010 euh les chapitres sont longs et moi je vous dis toujours ah oh, j'aime bien les chapitres ils sont courts ça se lit vite on se dit encore un chapitre encore un chapitre et ben là les chapitres étaient longs et ça se lisait vite ça se lisait vite parce que l'histoire était très intéressante et puis ça se lisait vite euh, malgré tout parce que je voulais arriver à une fin de chapitre et puis euh, voilà alors des fois les chapitres ils font 50 pages et on a pas beaucoup qui font 50 pages mais il y en a certains des fois ils sont très courts ils font seulement 10 pages mais euh, mais globalement on doit être sur du 20 30 pages par chapitre donc c'est c'est plutôt des grands chapitres mais ouais je je l'ai dévoré je l'ai dévoré je je l'ai adoré enfin euh, c'est euh... et puis en fait ce que je vous dis c'est c'est euh, c'est la euh, c'est la base en fait enfin c'est euh c'est comment dire c'est le contexte en fin de compte mais derrière il y a une intrigue en plus et, et, euh, euh, et euh, donc je, je veux pas je veux pas vous en dire davantage parce que moi je je, 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 je savais pas où est-ce qu'on allait mais euh, mais du coup le cette intrigue ce, ce euh, m'a énormément euh, plu en fait et, euh, et d'aller jusqu'au bout et j'avais peur que ça s'arrête que le livre s'arrête trop tôt et qu'on ne sache pas plus sur euh, sur le dénouement enfin je sais pas enfin quand je dis dénouement intrigue c'est pas dans le sens policier mais euh, mais c'est euh... Ah ouais, il se passe des choses et, et c'est tellement euh... Ah c'est j'ai beaucoup aimé. Voilà. <laughs> bon, maintenant je passe au livre en cours, au pluriel. Livre audio, j'ai commencé celui-ci, enfin je l'ai commencé, euh, c'est un petit livre audio de 4h13. Le livre papier fait euh, moins de 200 pages, donc c'est Un jour ce sera vide d'Hugo Lindenberg et j'en ai écouté euh, 35-36% je crois. Euh, je l'écoute je l'écoute dans le cadre du jury du prix Audio Libre, euh, donc vous savez pour l'instant j'en ai écouté 3, il n'y a pas eu un grand coup de cœur pour l'instant. Euh, c'est des livres qui me sortent totalement de ma zone de confort, alors comme les pavés dont je vous ai parlé avant et en même temps euh, ce n'est pas forcément des livres vers lesquels euh, j'aurais été et j'ai envie de retour... d'y retourner. Ce livre est encore un peu particulier euh... voilà donc prix du livre Inter 2021. Donc là, si je vous lis rapidement la quatrième de couverture qui, qui décrit tout à fait, c'est un été en Normandie, le narrateur est encore dans cet état de l'enfance où tout se vit intensément, où l'on ne sait pas très bien qui l'on est, où une invasion de fourmis équivaut à la déclaration d'une guerre qu'il faudra mener de toutes ses forces. Un jour, il rencontre un autre garçon sur la plage, Baptiste. Ce nom entre eux une amitié d'autant plus forte qu'elle se fonde sur un déséquilibre. Baptiste a des parents parfaits, une maison parfaite, sa famille est l'image d'un bonheur que le narrateur cherche partout. Mais qui se refuse à lui. Flanqué d'une grand-mère à l'accent prononcé et d'une tante monstrueuse, notre narrateur rêve, imagine, se raconte des histoires, tente de surpasser la honte sociale et familiale qui le saisit face à son nouvel ami. Voilà. Donc ça s'écoute bien, mais euh, pas, ce sera pas un coup de cœur. Voilà. Ça, ça me permet de savoir ce livre que je vois partout en, en librairie, de quoi parle ce livre. Et autre livre en cours, <laughs> j'ai sorti euh, Macobo. Euh, je lis une épreuve non corrigée, Charleston, qui est la cuisinière de Castalmar. Euh, c'est euh, donc c'est le pavé de 680 pages qui pour l'instant se lit bien, mais il faut que je me dépêche parce que je dois rendre mon avis bientôt. Euh, et alors j'ai laissé de côté pour pouvoir lire La couleur des sentiments. Et euh, si vous me posez la question, est-ce que c'est en lien avec la série Netflix Oui, totalement. <laughs> je n'ai pas Netflix, je ne regarde pas la télé, mais euh, oui, je sais qu'il y a un lien. Voilà, donc c'est très très bien pour l'instant. Pourtant, on est en Espagne, on est en 1800 et quelques, ça m'attirait pas forcément, et euh, et, et, et c'est bien en fait, c'est très bien. Ça se lit bien, euh, c'est... Euh... Je vais vous dire encore une fois qu'il y a un petit côté d'Anton Abbey parce qu'il y a une grande maison et des domestiques. Hein. Et je termine avec les livres que je vais lire après. J'ai organisé une lecture commune autour de ce livre. Lecture commune commence demain. Je ne serai pas prête pour demain. Code 93 d'Olivier Norek, qui est l'auteur préféré d'une certaine NJ, Madame Chachali. Euh, voilà. Qui, qui donc euh, adore ses livres. Et puis, euh, cette trilogie, bah, il est temps que... Enfin, qui n'en qu est plus une, mais il est temps que je la découvre. J'ai déjà lu deux livres de l'auteur. Je me rappelle jamais lesquels. <laughs> euh, Est-ce que ma bibliothèque peut m'aider Ils sont là. Alors, entre-demande et surface, voilà. C'est ce que j'ai lu pour l'instant. J'ai aussi, dans ma palle. Alors là, par contre, euh, ça va être un peu compliqué. Pour... Euh, euh, C'est un one-shot. Moi, je ne sais plus. Euh, donc, celui-ci, code 93, je l'avais acheté. Je ne sais plus. Puis, il est dédicacé, mais... Mais je... Il je, n'y je, a pas de date, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lieu. Je pense que celui-ci, je l'avais pris à Brive. Euh, voilà, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je euh, j'ai presque peur de, de, de beaucoup accrocher et de pas pouvoir lire le suivant tout de suite, en fait. Enfin, sauf si j'accroche vraiment, que je lis très vite et le suivant, je pourrais le caser entre deux lectures planifiées. Mais euh, je, enfin, c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est euh, <laughs> le planning est plein, quoi. Enfin, mais j'ai hâte, voilà, j'ai hâte, j'ai hâte de savoir, euh, de savoir euh, qui est ce, ce Victor Coste. Quoi. Euh, dans les autres lectures euh, à venir, il y a Mr. Brown, euh, d'Agatha Christie, euh, avec... Euh... C'est bien un Tommy et tu penses Beresford Parce que je... Oui, c'est ça, je sais. C'est bien un Tommy et tu penses Beresford. C'est l'un des premiers livres de l'autrice. Euh... C'est un des premiers livres de l'autrice, 1922. Euh, je l'ai déjà lu, c'est une relecture, mais je l'ai déjà lu il y a un moment. Tommy et tu penses Beresford, ce sont des, des, des enquêteurs que j'aime beaucoup. Ils ont un côté, il y a un côté euh, espion euh, qui a pas avec Hercule Poirot, et Miss Marple, il y a un côté aventure. Euh, donc c'est assez intéressant. Et, euh, et là, bah, je le lis dans le cadre du Challenge Red Christie 2022. Et je ne sais plus quel est le thème du mois d'avril, je vous le dirai le moment venu. Je, je réviserai avant, quand, quand je le lirai. Et puis après ces livres-là, euh, j'ai prévu de lire Cadavre à l'Écossaise de Marie-Lou Rouge euh, chez City. Voilà, qui est un, un cosy mystery. Euh... Voilà. Cosy Mystery. Donc, ça fait un petit moment que je n'ai pas lu Cosy Mystery. Donc, ce sera, ce sera sympa. Donc, ça, ce sont des lectures euh, communes que j'ai organisées. Si je m'aperçois que je lis plus vite que prévu, eh bien, euh, peut-être que euh, je caserai euh, d'autres livres euh, entre, euh, je pense notamment euh, aux enquêtes de Roderick Allain, euh, dont j'ai les deux premiers tomes que j'aimerais bien caser comme ça. Mais j'ai d'autres petits livres assez courts que je peux caser. Euh, entre deux lectures communes, si vraiment je suis trop rapide dans ma lecture commune. Euh, niveau livre audio, euh, je ne sais pas. Euh, donc j'ai j'ai dix livres audio à lire dans le cadre du jury audio libre jusqu'à fin juin. C'est ma quatrième lecture, euh, donc c'est plutôt pas mal. Sauf que dans dans ceux que j'ai encore à écouter, il y en a euh, deux qui font plus de quinze heures, je crois d'écoute. Donc euh, il faut que, que je m'organise un petit peu. Euh, bon après je vais beaucoup sur place euh, au travail et j'ai deux heures et demie de, de trajet par jour quand ça roule bien. <laughs> ah oui quand ça roule bien. Je, je peux les lire assez je peux les écouter assez rapidement mais bon euh, faut que je m'organise un peu dans les livres audio. En fait je serais tentée après quand j'accroche pas trop avec un livre audio je suis tentée après de passer à une valeur sûre donc j'aurais ten été tentée de faire ça. Après celui-ci, mais c'est peut-être pas raisonnable. Et en même temps, en même temps, il y a l'ange de Munich que je dois écouter euh, et que j'ai très très envie de découvrir. Donc peut-être que je vais faire ça, à moins que je passe à un Agatha Raisin ou à autre chose. Je ne sais pas. On verra pour les prochains livres audio. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur euh, ce format. Je pense que voilà, si vous suivez mes vlogs, vous n'allez pas être trop dépaysés hein, quand même. Mais euh, mais voilà, j'ai je, je, hâte d'avoir vraiment vos avis en, en commentaires et, euh, et je vous retrouve très vite. Donc quand, bah, je sais pas. Voilà, ça va dépendre de, de quand j'aurai du contenu. Enfin, c'est bien, dans, que ce soit des vlogs lecture, des podcasts lecture, c'est bien quand même d'avoir un peu de matière et d'avoir un peu de lecture dont je peux vous parler. En tout cas, c est, c est, ça fait partie de, de mes prérequis. Donc, donc, et comme en l'occurrence, je, je suis sur un livre, une épreuve non corrigée, Charleston, qui fait 680 pages... Faut le temps que je la finisse, et quand je vais la finir, je pourrais pas vous en parler librement. Euh, donc, euh, donc voilà, on va voir quand est-ce que je vous retrouve euh, le plus vite possible en tout cas. Et euh, d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et euh, à bientôt. <laughs>